Cédric, pas beaucoup ce combat, tu nous avais dit premier round, ça a duré un peu plus, mais bon, là tu t'imposes. En fait, le problème c'est ça, c'est que j'ai tellement dit que j'allais mettre KO, que l'adversaire, j'avais oublié que lui aussi il avait des raisons. Donc lui aussi il a entendu que j'allais le mettre KO, du coup pendant un round, deux rounds, il a fait que fuir. Du coup, il n'y a pas vraiment eu des chances parce qu'il fuyait le combat. Et je l'ai eu à l'usure, en fait, à la fatigue. Et quand j'ai envoyé les coups, c'est là où il y en a un qui a touché et là, il ne répondait plus. Tu t'as senti assez serein dans tous les compartiments, debout, au sol? Ouais, ouais, au sol, j'étais. Ouais, ouais, j'étais. Il me faut un peu de temps. Bizarrement, je ne suis pas un diesel, mais en combat, il me faut un bon round pour être à l'aise. Et à la fin, on l'a vu, quand je suis allé au sol, j'étais à l'aise. C'était tes parents qui étaient là? Oui, c'était mes parents, oui. Et ils te tiennent, quoi, quand même, on la voit comme ça, ma mère, mais elle n'était pas d'accord au début. Et maintenant, elle est contente parce qu'elle sait qu'elle a la victoire au bout. Dernière question, l'UFC, j'ai annoncé que ça arrive. Ouais, le contrat arrive, là, voilà. Ça tout dépendait de ce soir. Le contrat arrive, on va le signer et en septembre, Inch'Allah. C'est quoi, excitation, pression? Pression, parce que c'est quand même la Ligue des champions du MMA, donc ouais, pression. Excitation aussi, parce qu'on a peur de personne, mais on veut tellement bien faire qu'on a la pression, donc c'est normal.